rejoindre le serveur Minecraft qui a de base installé sur le Minecraft que je t'ai passé. Je sais pas si tu avais vu le Funcraft, un truc comme ça. Non, j'avais pas. Il y a plein de petits jeux assez sympas. Bon, on essaiera d'héberger chacun une map et si ça marche pas, on fait ça, c'est ça. Ouais. Alors, on essaye, hein. On n'avoue pas perdant dès le début. Et salut tout le monde. Je crois que je vous ai pas remarqué. Hein? Salut tout le monde, on se retrouve pour une partie de Minecraft. Games Horror Show numéro 1. Ah putain, Minecraft, t'as changé, t'es plus cubique. C'est un mode, tu vois, spécial. Pino, tu me bouffes pas la paille. S'il bouffe la paille, tu lui fais bouffer la bouteille. Peut-être prochainement, on fera du Sims 4. J'ai proposé à Steve, si ça l'intéresse, un Sims 4 au moins de tester. Ouais, j'allais dire jouer au 3, vite fait. Pourquoi pas le 4? Oh, le blanc qui fait son... Putain, j'ai même pas vu. D'où il... Non, mais cherche pas, lui, c'est le seul chat quand il court, alors qu'il est gros et mastoc, tu l'entends pas. Par contre, il souffle comme un facochère, lui. Hein? Mais oui! Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu! Ok. Samuel, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Oh putain, il a fait un moonwalk! Wouh! Attends, il faut que je repasse l'extrait avec Michael Jackson. Hello! Bonjour! Tu vas faire quoi? Dormir, je sais pas. Tu peux voir? Non, c'est trop violent. Il a disparu! Triplet, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Samuel? Apollo essaie de m'empêcher de communiquer! Oh non! Amanda! Vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement! Je vous en prie! Tu dois te sauver ton ami badass! Il commence à tout enclencher. J'essaie d'accéder au schéma de Simpson. Écoute-le. Le câble rouge en premier. Le rouge. Le rouge. Rouge en premier. Le rouge. Éteins le rouge. Ok. Le rouge. Allez, allez. Allez, allez. Non, sors. La clepsydre. La clepsydre. Sors. Ah, merde. Olivier Mini est pas content, là. Courir fait du bruit. What? Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ouais, on t'avait dit de suivre Passepartout. Je crois que je suis un peu trop d'enfant boyard, c'est ça? Là, t'as le père Fouras qui est là. Écoute mon énigme. La chèvre est une moule qui n'est pas verte. Samuel, c'est trop dangereux. Et je te rattrape. C'est un mur invisible qui n'est pas visible. Ouais, faut suivre ça. Fallait suivre les câbles au sol. Ah, moi je pensais que c'était ce petit truc rouge là, je veux dire quand... C'est rouge. Poum. C'est toi-même. Oh, la phrase de loup. Tu vois pas qu'il est un peu en train de crever, le mec? Ok, rouge en premier. Putain, mais c'est limite ta... Tu vois, c'est... T'as un pote ou je sais pas qui se fait agresser, tu dis « Eh, mais sauve-toi toi-même !» La phrase de gros connard. Il est le mec, sa copine fait tabasser. « Ouais, sauve-toi toi-même !» Le câble bleu. Le câble bleu. Mais putain, à la torche. Ils m'ont désactivé, ces fils de Walouf. C'est Apollo qui contrôle aussi la lampe torche. Putain, connard. Apollo contrôle aussi tes chaussures, fais gaffe. Il va te faire trébucher. Bah le vert. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Prise murale, chariot. Allez, là on suit, là on est bon, hein. Là on est bon à faire Professeur Layton après ça, c'est ça? Il y en a toujours deux, vite fait. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un endroit désactivé, pas très loin. À gauche. Ah oui, celui-là. Il y avait deux panneaux de sol ouverts, mais quand il a dit Android, là... Ouais. Et là, il se relève pour t'agresser. Ouais, c'est trop bâtard. Je pense. Ouais, je préfère quand même savoir qu'il le dise d'abord. Ouais, tu fais hâte, ah, tu l'as fait tomber de boum. Ah merde, fallait pas le toucher, celui-là, tu vois le truc. Ouais. Ah, t'as sauvé la vie à Samuel. Stop là, Steve.
C'est la première fois qu'on réussit à faire un tap. D'habitude, c'est à côté où je te paf le visage, ouais. Tu me mets les doigts dans le nez. Ah, vous êtes en train de mourir. Vous parlez comme si j'avais vraiment vécu. J'ai cru que je vous emmerde. Non, merci. Samuel. Vous avez fait ça pour moi? Je voulais qu'avant d'arriver, puisse tourner la page. Deux. Bon ben... On fait la fête? T'es là, réponds. Ouais. Je suis là. Ah putain, j'ai cru qu'il avait même pas répondu. Samuel, c'est mort. Merde. Bon ben, le personnage le plus badass du jeu est mort. Enfin, mort entre guillemets, parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'était le fameux personnage androïde. T'en as toujours un dans un Alien. Tu suis? C'est pour ça qu'il a dit que j'étais jamais vraiment en vie, parce qu'en fait le mec c'était un androïde. Lui aussi. Mais si tu connais un peu les films aliens, tu sais que dans le premier il y en avait un, dans le deuxième il y en avait un. Je peux le regarder, mais c'est vrai que. Il y a un truc qui me faisait un peu bizarre, c'était du genre comme il a explosé quand même un droïde avec ses poings quand même. Par contre, je le qualifierais plus comme le droïde du 2. Parce que dans le 1, l'androïde c'était un bâtard et c'était même un traître dans l'équipe. Tu vois? Là, c'était pas un traître, hein. C'était plutôt un traître du côté des androïdes, hein. Eh ben, putain, il va rester pas beaucoup de monde à la fin, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ouais, ta gueule, toi. Non, mais parce que là, t'as le Marshall qui est mort, t'as le Samuel qui est mort, je crois qu'il reste, t'as la meuf de ton équipe, mais elle s'est volatilisée, t'as aussi le mec dans la cellule qui s'est volatilisé. C'est joyeux, hein. Le pilote et la copie... Non, la pilote et le copilote de votre vaisseau, ils répondent pas. Non, parce qu'il y avait un vaisseau qui t'avait amené ici, et eux, ils sont techniquement toujours dehors, hein, quelque part. Ils ont fait comme Brad dans Resident Evil 1, ils se sont barrés, tu vois, et la radio qui marche pas. Allô ? C'est Brad ! Et là, elle se réactive d'un coup. Piou, you, you, you. Tan-tan-tan-tan-tan. Et tu sais, là, t'as les ennemis qui viennent à la Metal Gear Solid. Ouais. J'ai trop joué à Metal Gear Solid. Le mec, pour battre le boss, faut faire ça. Schlick, schlick. Quoi, c'est le seul jeu où ça brise le quatrième mur à ce point. Hein. Où t'as même les personnages, ils disent, eh, mais il faut que tu déconnectes ton truc, tu vois. T'as déjà vu un autre jeu où c'est... Hein, non, Il faut que tu changes les piles de ta manette pour le battre. Donc là, c'était Laure, la meuf dont j'ai parlé avant de ton équipe. J'ai entendu. Ouais. Qui a fait sortir en fait le mec de la cellule. Donc en fait, les mecs doivent être ensemble à ce moment-là. Salut. Tu joues à celui qui va faire. Et là, il a pulvérisé la grille. Tu meurs. Hein? T'apprendras à jouer à titre. Les synthétiques sont sensibles aux attaques physiques lorsqu'ils sont sonnés. What? J'adore. Ça me fait penser à une description Pokémon. Les. Les synthétiques sont des. Non, mais les Pokémon ténèbres sont sensibles à la lumière. Bla 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 bla. Très bien résumé le texte. Après sinon ça fait 30 secondes, je n'ai pas utilisé mon détecteur pour pouvoir aller voir. Ouais. Bon par contre... Putain, c'est pas vrai. Ça pue. Bon en même temps là tu vas rencontrer l'IA qui contrôle un peu le truc. Hein. Oh, c'est jamais cool hein. Elle va essayer de te buter, je te le dis hein moi. Apollo de merde là. Ah, ok. Tu parles. J'ai l'impression de me croire dans Code dans Resident Evil que je n'ai qu'à X. Et là, il le jette dans le four. Hein? T'auras plus jamais d'armes. Je suis vraiment inoffensif, je te dis. Voilà, tu peux passer. Allez, les mains dans les poches. Attention, hein. Oh, je suis dangereux là. Hein. Ils ont l'habitude des terroristes, c'est la mode en ce moment. Ricardo Hollande. Je m'inquiète pas descendre. Oh, en même temps, c'était pas en gras, putain, hein.
Le mec le plus handicapé du monde, c'était pas en gras, merde. T'as la sauvegarde qui te marque juste derrière. Mais pourquoi? Regarde derrière juste. Ouais, j'ai... là, coucou. C'est là que quand tu reviens, elle s'est taillée. Tu vois, elle s'est barrée, t'as la sauvegarde qui a pris les jambes. Ses petites jambes et qui s'est barrée. 4-9-3-0. Okay, ouais. 4-9-3-0. Pourquoi je sens que le black il va mourir? Toi t'as pas cette impression? Ouais. Bon, c'est étonnant que le black il soit encore vivant à ce moment-là. Ouais, ta gueule, on sauvegarde. Bah, c'est comme dans Resident Evil Break, hein. Il a deux survies comme le black. Ouais. Là, je me rappelle, c'était même le seul survivant dans des scénarios en difficile. Celle-là, elle était bonne quand même. Le mec, il t'avait même abandonné, il s'était cassé, c'est lui. Pendant que t'étais en train de te faire buter par les corbeaux, je me rappelle au premier scénario. Oh. Bon, du carburant, c'est quand même bien. Ouais. Même si t'as plus de lance-flamme. Oui. C'est génial, et là, il te file 15 000 munitions de fusil à pompe. Tu vois, alors t'en as plus. Ouais. La vitesse, ça nous connaît. On est pas une tapette, n'est-ce pas? Ouais. Super vitesse. Trébuche. Un magazine pornographique pour ceux qui aiment les voitures. Oh oui, je suis mécanophile, allez. Moi. Est-ce qu'on a au moins lu un seul document depuis le début du jeu? Non. Et on passe, parle pas des passages en gras avec le mot de passe, hein. Ça compte pas comme une lecture de document. Juste... C'est toujours le petit détour. C'est bon. Ouais, tu pourrais faire pire. Go, go, go. On va bien croiser enfin les commandos pour que ça fasse Metal Gear Solid, non? Ou tu te la fais à la Half-Life. Tu prends ton pied de biche et tu tabasses tout le monde comme ça, tu sais, les mecs de l'armée. Les Spec Ops, tu vois, comme dans Half-Life. Non, plus loin, ça pourrait être dangereux. Samuel s'est sacrifié pour que j'arrive jusqu'ici. Il faut que j'essaie. Faut que j'essaie. Je me trouverais plutôt cool pour un synthétique. Moi aussi. Ah, c'est les racistes qui disent ça, hein, pour faire genre. Ah, avoue qu'en fait. Hein, t'étais jaloux de lui, même s'il devait pas avoir de bite en fait. Ça doit pas être facile pour niquer d'être un synthétique. Toi aussi, vote pour les synthétiques anonymes. Fais en sorte qu'ils aient des organes génitaux. Oh! Oh! Oh, vieil ami! Vieil ami, qu'on a plus vu depuis que l'alien est mort. Hein? C'est vrai qu'on en avait plus besoin, en fait. On a plus aucun besoin de se cacher en fait. Il y a un truc bizarre dans le coin. En fait, il fait faire tout le tour. Il y a un truc bizarre dans le coin. Toi, tu m'avais l'air pas sympa. Toi aussi, tu trouves que c'est bizarre dans le coin? Un peu. C'est bizarre, il y a trop de synthétiques. Le truc raciste. Ah, t'as un masque à gaz! Ah putain, ça me rappelle SCP Container Bridge, le masque à gaz. Avec Monsieur Cacahuète qui se baladait partout. Si tu croises Monsieur Cacahuète, tu réagis comment? Je sais pas, jamais joué à SCP, j'ai pas envie. Après, il y a SCP normal et SCP Container Bridge, Monsieur Cacahuète. Hé! Hey. Ça, on voit rien. Oh. Tiens. Non, tu arrêtes. Tu recules. Recule, essaie surtout de l'attaquer par derrière. Comme ouais. Tu faisais. Parce que tu sais bien que... Aïe. Bon, tu sais quoi? T'as pas de bêtises. Ah, d'accord. D'accord.
D'accord. D'accord. Ok. Ah merde. Un peu trop. Ouais. Pas bah, deux fois. Bon, moi là, tu vas pouvoir l'éliminer tout de suite. Prends une autre arme. Quoi? Quoi? Attends. Non! Essaye de le contourner. On va savoir, madame. Attends. Sur le côté, ça devrait marcher. Oh, je voulais. C'est vrai. Arrête, vilain. Bon d'accord, ça marche plus. T'es méchant. Ouais, c'était pas le moment. Non, c'est rien. Non. Non, t'as pas le droit. Non, non, arrête. Ok. Je sais pas comment j'ai... Mais arrête. C'est de l'attouchement sexuel. T'as les deux sont là. Balance tous les molots que t'as en fait. Dans leur gueule. Yeah. Tu t'es arrêté sous le bâton. Fuis, fuis, casse-toi. Casse-toi, ils sont trois. Ah oh, putain. L'autre en fait il vient de l'autre embranchement. Nigue. Ah en moins. Ah mais les mini-aliens, ça pourrait être pas mal ça. Je suis con. Ouais. Tellement. Fuis. Bon, il en reste plus que deux. Hein? Il en reste plus que trois. Il y a encore Boris qui est venu. Tu tires toi derrière. Fuck nigga. Est-ce que le taser ça marche? Bah derrière, derrière, ça s'est ouvert. Ah bon? Oui, t'as pas entendu la porte qui s'ouvrait, mais... Ah, mais ça marche comment ce taser? Mais... C'est quoi ce taser en mousse? Pousse-toi! Ah bah, ça s'était ouvert avant. Voilà. On fait n'importe quoi. Putain, mais alors tous les androïdes du coin qui viennent te faire marave la gueule, hein. Même ceux qui étaient à 3 km. N'est-ce pas? Je suis pas là. Ah, t'es d'accord? Ouais. Ah, ils sont tous venus, hein, t'as réussi à avoir... Gérard? Je vais voir mon amateur. Ah. Eh, mais... Oh, oh. Vraiment? Bon d'accord, c'est ça. Aïe. Ils sont trois mec. Aïe. Il faudrait refaire des cocktails Molotov. Ou est-ce pas faire quelque chose? Essaye de retourner au boîtier là-bas. Pour voir si tu peux faire quelque chose en attendant qu'ils arrivent, c'est con. Oui, t'as mal entendu, c'est moi. Fuis-toi. Fuis, t'as vu. Si, je la place. D'accord. Fils de pute. D'accord, vas-y. Non, vraiment, ça marche pas contre eux. Ok. Je me barre. Allez, arrête de me casser. Va sauvegarder. Je sais bien comment avec eux. C'est pas vrai. Avec un peu de chance. Ça, c'était le troisième qui était reparti. Est-ce qu'il faut que je le viole? Ouais.
Yol. Pas yol. Au revoir. À droite. Je suis pas là. Lis. Elle lit le truc juste pour la déconne. Ah. Allez, vas-y, juste pour la déconne. Ouais, on est d'accord, il y a des androïdes à la porte. Essaye de l'éliminer en vitesse. Avant que ses potes se la ramènent. Ok, ses potes sont là. Je suis pas là. Et il y en a un autre qui vient en plus. Dégage, passe par là et tu fuis. À gauche. Enfin, dans la pièce là. Parce qu'en fait, je sais pas, tu tapes un Android, t'as tous ceux du secteur qui arrivent à savoir, je sais pas, ils doivent être interconnectés. À gauche. Non. Ah, faut que j'essaye, mais sinon ils vont faire que chier. Ah, je suis teubé. Allô? Je crois que t'as. Alors, tu pensais me niquer? Ah ouais. Bon, d'accord, t'as gagné. Voilà. Bravo, Steve. C'était prévu. Là, gauche. Voilà, là. Passe par la pièce au milieu et puis ensuite... Ah non, hein. C'est pas le moment. Voilà. D'ailleurs, je peux me cocher. Toi, là, ils te suivent tous derrière. Putain, j'aurais les goûts, franchement. attends pas, tu vois. Tu te précipites et voilà, voilà, voilà. Hein. Oh ah, on voit ce gars. Bon, on va peut-être s'arrêter ici. Ouais. Ça sera mieux. Bon. Ça sera la solution à trouver dans une dizaine de minutes. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a réussi à passer le putain d'Android. On en a niqué un quand même, hein, ouais. Sur les quatre qui se baladent dans le. Ça, je regretterais pas, c'est que t'es le Molotov, il faisait un peu inutilement. Si j'aurais su, j'aurais foncé direct. Et là, t'as les Androids qui te narguent et parce qu'ils ont récupéré tes armes entre temps. Tu réagirais comment? L'Android qui te crame au lance-flammes, et l'autre qui te tire dessus au fusil à pompe. Bref, j'espère que ça vous a plu et en attendant... Et en attendant, allumez le feu.